Bon, on applaudit pour moi, hein, avant de... Voilà. On est là. Envoie-moi le son de Yelebougou, s'il te plaît. Yelebougou. Yelebougou. Bon, c'est fini vite, wallahi. En tout cas, merci d'être là ce soir et merci à tous ceux qui nous regardent sur l'ERTM. Ici, c'est la deuxième fois que Yelebougou se produit dans cette salle de l'Institut français. On les applaudit aussi, l'Institut français. Merci à l'Institut français. Moi, je vous demande seulement de m'accorder 2 minutes. Je vais être sérieux durant 2 minutes. Non, je voulais dire tout simplement que si vous voyez que nous sommes tous là ce soir à Bamako, précisément dans l'Institut français de Bamako, Bamako précisément, parce qu'il y a la paix. Et nos amis tchadiens, l'Union européenne, tous ceux qui ont contribué pour la paix au Mali. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous faisons tout ce que nous voulons ici. Donc sur ce, mesdames et messieurs, sachez aussi que Yelebougou est partenaire avec l'Institut français, ça fait plus de 2 ans. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Un grand merci à M. Lucien qui ne ménage aucun effort pour la réussite de Yelebougou. Yelebougou, déjà, sachez que en Bambara, en français, ça veut dire la case du rire. Donc en Bambara, c'est Yelebougou. Yele, c'est rire et Bougou, c'est la case. Donc la case du rire. Bienvenue dans la case du rire. Un grand merci à l'Institut français. Et j'espère que notre partenariat va continuer. Merci beaucoup à M. Lucien et toute son équipe. Maintenant, on va commencer. Oui, on va. J'étais un peu sérieux. Beaucoup. Merci, madame. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Oui, vous êtes là. On a tous des. Moi-même, j'étais blanc, c'est grâce au soleil que ma peau a changé. Donc, mesdames et messieurs, moi, je ne peux pas commencer ce spectacle sans vraiment vous inviter vraiment de vous lever pour seulement 45 secondes pour les 2 hymnes nationaux. Il s'agit de l'hymne national de la France et ensuite du Mali. Et après, on va commencer à rire. S'il vous plaît, je vous en prie. C'est... Merci, wallahi, merci. Elle rit comme ça. Ok. Maintenant, je suis à l'aise. J'ai écouté l'hymne à la Marseillaise, l'hymne à la Malienne. Voilà, on est chez les Français comme ça. Mais ils sont chez nous aussi, c'est mélangé. Donc, France et Mali, là, c'est un dans un. On est collés.
chers téléspectateurs, maintenant, vous et moi, et nous allons accueillir Son Excellence, le Président de la France, François Hollande. Je vous demande d'applaudir. Monsieur le Président, Monsieur le Président, bonsoir les Maliens. Bonsoir les Maliennes. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de fierté que je m'adresse à vous. Vous me montrez que vous avez connu une grande démocratie à travers d'un vote crédible et transparent. Vous avez choisi votre président Ibrahim Boubacar Keïta. Lui, je le connais, c'est un grand. Partout il a passé, il a fait ses preuves, au Mali et à l'extérieur. Je lui souhaite bon vent. Chère Malienne, cher Malien, je remercie John Koundé Traoré, lui aussi, qui a dirigé ce pays dans un moment très difficile, dans un moment très critique. Chers Maliens, chers Maliens, je n'ai pas oublié l'accueil qui m'a été réservé le 10 février dernier. Je salue toute la population de Bamako. Chers Maliens, il y a une promesse que j'ai faite il y a longtemps. J'avais dit oui, les soldats français resteront au Mali jusqu'à ce que le Mali soit vraiment stabilisé. Vous savez, les terroristes, ils sont partout. Ils sont là aujourd'hui, demain, ils peuvent être ailleurs. Nous devons tous s'élever pour combattre ce fléau. Chers Maliens, chers Maliennes, notre victoire a commencé quand Diabali a été libéré, quand Kone a été libéré, quand Gao a été libéré, quand Tombouctou a été libéré, quand Kidal a été libéré, quand Aguilar et Tissalit ont été libérés. Chers Maliens, les Français qui sont dans la salle aujourd'hui, nous rendons hommage à Damien Boiteux, le premier soldat tombé sur le champ de l'honneur, tombé sur le champ de bonheur. Vive la France, vive le Mali. Non, bon, commençons à rire au pluriel. Ce soir, ceux qui sont venus pour rire vont rire. Ceux qui sont venus ici pour voir comment danser, vous allez me voir danser. En tout cas, je danse tout. En tout cas, les touristes, si vous partez quelque part à Gao ou à Tombouctou, faites attention quand vous dansez avec une femme souraille. Je ne sais pas si vous tombez amoureuse de la femme et que vous dansez avec elle, faites attention. Voilà. La fille, si elle t'aime, c'est, tu vas comprendre avec la danse. Mais elle fait comme ça. Monsieur Blanc, si la fille ne t'aime pas, je t'avertis, hein. Mais voilà, merci. Ce que j'ai à dire, il y a eu 3 mois au Mali. Non, jusqu'à présent, ça continue. Les problèmes de visa là. Je ne comprends pas. Même si tu es à milliards, on ne te donne pas visa. Il y a quoi en France?
Bon, on va pas aller quand même là-bas pour regarder Tour Eiffel, ça veut dire quoi? Mais il faut nous donner visa, on ne va pas rester là-bas, on ne va pas rester. Non, à l'ambassade, c'est grave. Tu vois une jolie dame qui vient. Surtout, il y a une femme à l'ambassade, là, quand tu vois son visa, tu sais déjà que tu n'as pas eu ton visa. À l'ambassade, il y a deux choses. Quand on te remet ton passeport, la personne que tu vas voir avec son passeport et de gros dossiers, là, c'est lui qui a raté. Donc maintenant, tellement qu'on est habitué à rater là, quand on refuse le visa, dès qu'on nous donne comme ça, et toi aussi, il faut couper le micro un peu. Parce que tu parles au micro. Ok, mademoiselle Kayato Samake, désolé. Et puis quand on dit à Kayato, elle fait comme ça, elle plie. Parce qu'elle sait que tout le monde sait maintenant, quand c'est un gros papier, tu vas plus à Paris. Elle met dans son passeport. Non, c'est compliqué à l'ambassade. Hein? En tout cas, il y a une dame là-bas. Un jour, j'étais là-bas, il regarde, là, oui, il y avait un gars, c'était un stracolé, quoi. Il voulait aller, mais franchement, les gars, ils voulaient rester à Paris. Oui, non, ils voulaient rester là-bas, hein. C'est pas parce que les Blancs sont là. Hein. Eux aussi, ils sont venus rester ici, non. Non. Vous êtes venus rester ici, vous mangez ici, vous buvez ici. Donc, je vais m'arrêter là. On va continuer avec le spectacle. Ok. Non. Non, il va y avoir des humoristes en français, il y a d'autres aussi qui vont faire leurs prestations en bambara, il n'y a pas de souci, tout le monde aura son gâteau. Je m'en vais inviter un humoriste, son nom c'est Sekou Sarr, il vient de la première région du Mali, Kaïba, Diabaté, Donda Kele, Animbouda Kele. Merci, 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 merci. Bonsoir camarades, je suis le secrétaire général de cette faculté. Camarades, si nous voulons, nous allons tenir notre assemblée en Bamaranka. Camarades, aujourd'hui, c'est oser expliquer certaines choses en Bamaranka. Chers camarades, vous savez pourquoi j'ai sifflé? Vous savez? Camarade Ndoussou Bora. Makere est sorti. Camarade, même si le gros bois dire dans l'eau, ça ne peut pas être un crocodile. Je le groupe mais me dit la tête bomaye. Cher camarade, comment main? Comment va lire fana main? Les paroles sont mauvaises. Les paroles ne parlent pas l'or. Cher camarade, le monde c'est beaucoup beaucoup le matin. Nya est sur la chamane. Chers camarades, je ne vais pas me monopoliser sur les paroles. C'est ça, je vous donne 144 heures. Camarades, je vous donne 144 heures. Vous voyez, vous bien les lani. Chambo la amiga bo amiga taso ne ntre muso mare tu magalo. Dore ko kale wululu ji pané, apanto la wululu ji kuna dro kata sengo ji no ko no ko asimbe no ro ko la tento. Yone ntre muso yela la sa. J'ai dit, mais mare tu, qu'est-ce qui ne va pas? Son pied là est tombé dans l'eau des chiens. J'ai dit, mais Maretou, l'eau des chiens c'est là, c'est quoi? Toi aussi, tu ne connais pas l'eau des chiens. Il faut na ça, ouloulou tique. Je vous remercie. Mais est-ce que tous les blancs qui sont là parlent français? Il ne parle pas français? Monsieur, vous parlez quelle langue? Anna Harabia. Ouais, une fois on m'a invité dans une salle des Américains là, pour faire un spectacle. Et quand je suis monté sur la piste, j'ai dit Allahu Akbar. Imaginez les restes. En tout cas, le spectacle n'a plus eu lieu. Voilà. Ok.
on continue à Nimour et après Sekoustar, je vais inviter un autre humoriste. Nous sommes tous là pour vous. Et cet humoriste, il s'appelle Moussa. Moussa, j'aime la chanson là. Moussa, viens avec moi. Elle, bravo Lendi. Il est à. Pourquoi il fera ça? Il est à. Ziban, il est. Ziban, il est à. On applaudit très très fort. Bon, on va continuer avec le spectacle. Après François Hollande du Mali, je m'avais invité un autre grand humoriste du Mali. Il s'appelle, son vrai nom c'est Djeli Moussa Kouyaté. On est où là? Voilà. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler. Ah voilà, en fait ça me fait rappeler à Julien. J'ai un ami blanc. Il s'appelle Julien. À chaque fois que j'ai dansé, Julien me disait, Atete, c'est pas comme ça. Nous, les Blancs, quand on danse, on marque tous les temps de la chanson. Ce qui ne va pas, à sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Je n'ai jamais remarqué le plein et le vif dans la danse. C'est comme ça, généralement. Fais au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et puis, tu fais la lumière, quoi, il est là. Elle vient et rentre, je dis, ouais, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Papa, on nous a appris à écrire aujourd'hui. Je dis, ouais, on vous a appris à écrire. Je prends son cahier, je regarde, mais il faut lire. Non, le professeur nous a appris à écrire, il nous a pas appris à lire. Et ma fille, elle a 7 ans, elle est en CM2. Elle a redoublé toutes les classes de sa vie. Ouais, je mens pas, je suis responsable quand même. Et je dis à ma fille, mais je comprends pas, je paye cher pour tes études. Tu peux pas passer toute ta vie à redoubler les classes? Elle me dit, papa, qui va lentement, va sûrement.
Non, mais vous ne moquez pas de ma fille, j'ai un ami policier, c'est plus pire. Lui, il a trois gosses. Son premier fils fond chez lui. Papa, voilà mon cahier. Il regarde son cahier, il avait 2 en mathématiques. Il lui frappe. Vous connaissez les policiers à Bamako? Ça lui frappe. Il y a le second qui vient, qui rentre. Papa, j'ai eu 3 en mathématiques. Ça lui frappe comme d'hab, quoi. Et le dernier, il rentre avec 0 de moyenne. Il n'a pas eu de notes. 30 minutes dans le salon, ça se passe bien. À un moment, il y a le petit qui sort, il voit les deux graphes et dit, papa ne m'a pas frappé. Les autres disent, mais on ne peut pas comprendre ça. Comment papa t'a pas frappé? Nous, on a eu 2, on a eu 3, papa nous a frappé. Et vous avez oublié que papa était un policier? Firi firi kumba lama ka kungolo madebe kumba donke. On applaudit les pasteurs. Voilà, on les applaudit. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. J'ai dansé, dansé, personne, personne. J'ai couru, couru, personne, personne. J'ai sauté, sauté, personne, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alléluia! Oui, Père Tout-Puissant. Merci, Seigneur, d'avoir permis à François Hollande d'avoir libéré le nord du Mali. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour ça? Oui! Ce soir, nous sommes venus à l'église. Et que chacun sache que je suis le pasteur number one. Oui! Vous, qui avez les caries dentaires, venez me voir, je vais vous guérir. Oh, mon frère ne parle pas! Bonjour, pasteur. Mon frère, tu es un bec. Voilà. J'ai reçu le message par Facebook. Le Saint-Esprit m'a appelé. Mon frère, je vais te guérir. Viens t'asseoir ici. Oh, Père Tout-Puissant. Ah, encore un autre client. Ah, Seigneur Dieu. Et là, pour quoi, Mando? Moi, tu me connais? Moi, tu me connais, go. Alléluia. Je te jure, tu te fous de moi. Tu vas me connaître qui je suis. Ça, oh, Père Tout-Puissant. Oui. Oui, tu as gros cœur. Tu as gros cœur. Non, c'est ce que je veux. Est-ce que tu peux me soigner, moi? Je peux te soigner. Que... Alléluia. Tu peux? Je peux. Tu peux? Je peux. Faut t'asseoir là. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oui, je peux. Ce soir, quelque chose va se passer tout à l'heure. Oui. Oui. Je suis le pasteur number one. Et ce soir, il va vous délivrer. Oui. Ah, bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Mon frère ne parle pas. Ne parle pas. Tu es un sous-muet. J'ai reçu le message depuis le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a bipé. Et il m'a dit que tu es sous-muet, mon frère. Va t'asseoir. Assieds-toi. Alléluia. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu ce soir, n'est-ce pas? Ok, mon frère. Toi, tu bégais. Viens te mettre en genoux, je vais prier pour toi. Là. Mets-toi en genoux là. Faut te mettre en genoux. Oh Père Tout-Puissant, je te prie Père,
C'est toi qui as permis à ce que cet individu mal intentionné ne trouve pas la parole. Père, je te prie ce soir. C'est lui. Tais-toi quand je te parle. Père, je te prie afin que tu lui donnes l'onction de sa parole là dans sa gorge, Père. Mon frère, dis amen. Amen. Faut que tu n'aies pas dit amen. Seigneur, toi tu me connais. Tu sais que je suis un ancien braqueur. Seigneur, je n'aime pas ça, les travaux, je n'aime pas ça. Pas tout puissant, je te prie afin que ce individu mal intentionné retrouve la parole. Mon frère dit amen. Ah, tu n'es pas dit amen. Tu dis pas amen. J'ai dit amen. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Je viens. Tu ne dis pas amen. Faut pas dire amen. Faut rester là. Moi, le pasteur, number one, j'ai pris pour toi. C'est pas dit amen. Dis amen. Dis amen. 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 Dis amen. Ouais, il est où? Qui a quoi ici là? Non, c'est fini. Qui a quoi ici? Pasteur, donne-moi, c'est fini. Ça fait longtemps que je te jure. Voilà. Pasteur, tu es number one. Oui, c'est moi le pasteur. Je te respecte beaucoup, mon frère. Alléluia. Allez. Louia. Alléluia. Ok, allez. Il est où là? Qui est? Non, je ne sais pas. Voilà, Dieu vient te guérir là. Alors, le Saint-Pierre. Oui, je suis avec le pasteur. Je te le passe. Oui, ça va, maintenant c'est vu. Moi j'ai commencé à parler, Dieu merci, mais bon, voilà quoi. Non, c'est trop facile. Je vous délivre ce soir. Allez, mon frère, je vous délivre. Attends, le Seigneur.